Prisca. Thank you.
Et bonsoir, bienvenue sur Carge Live, comment qu'ils vont après ce week-end radieux et merveilleux que nous avons eu. Nous on se retrouve aujourd'hui pour le premier live sur un gros jeu. Alors qu'on est accompagné d'un petit chocolat chaud. Pokémon Légende Arceus. Alors, j'ai été gentil avec vous, je vous ai passé le tuto. Le tuto de 1 heure, là, on l'a fait à côté. J'ai déjà un petit peu avancé, pas mal avancé même. Histoire qu'on soit pas au départ, qu'on se fasse pas chier, qu'on soit un peu libre. Eh ben, moi qui n'ai pas fini Pokémon Diamant et qui était en train d'essayer de streamer Pokémon Diamant, putain, y a pas photo, quoi. Cette version de Pokémon-là est bien mieux et bien plus intéressante que l'autre qui était redondante, chiante Donc non, bah voilà, on va partir sans plus attendre. Se perdre agréablement dans ce beau petit monde qui est Pokémon Arceus Légende. Vraiment belle surprise. J'aurais pas cru, j'étais pas... J'en parlais la semaine dernière, il y a 2 semaines, je ne sais plus. J'étais un peu mitigé. Et bah au fait... Bon, au fait, il est bon. Il est plutôt bon. Alors. Est-ce qu'on est bon en termes de son? L'air d'aller, ok. Bon là je suis un petit peu en mode exploration à la recherche de quelques Pokémon et notamment pour remplir des quêtes secondaires. Dernièrement j'étais en train de chercher un Mistubwe de 0,8 cm. Hein ? Ah oui, on est obligé de passer par lui, voilà. Allez, j'en ai capturé quelques-uns, donc j'espère que parmi eux... J'avais jamais entendu cette musique. Ah, 3e étoile. Ah oui. Ah bah il va falloir qu'on aille chercher ça là. Merde. Ah, j'aurais pu retourner au village directement. C'est quoi cet énorme cri de Pokémon? Alors... Est-ce que nous avons trouvé la perle rare? Ça, c'est de la merde, il en veut pas. Bon, il se peut que j'ai déjà pas mal rempli mes pâturages. Ah ouais, je suis déjà à la fin du 5. Et il n'y en a que 8. Hein. Allez. Oh, vas-y, Nick. Genre, mais je vais en avoir aucun qui va faire 0,8. On peut pas le voir. J'aimerais bien le voir, en fait, au lieu de lui donner tout, mais... Ah, résumé.
Bien vu. 0,79 de la merde. 0... nickel. Oh non, oh non, 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 non. J'ai pas capturé tous les muscles boués de la terre pour qu'il y en ait aucun qui rentre dedans, quoi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Fuck. Mais je vais pas repartir chercher des mustubueux, ça n'a aucun sens. Salut Jimbo! Comment ça, mustébué baron? Parce qu'il y a lui! Mustéflotte baron! Je l'ai vu et je l'ai capturé! Il y a un mustube baron et c'est lui qu'il faut pour l'avoir à la bonne taille. Oh. Bah merde alors. Attends, mais je veux juste voir un truc moi. Ah ça va, j'ai eu peur, je pensais que mon Musiboué était le baron et que... Donc voilà ma petite équipe hein. T'as pris qui en starter toi? Alors laisse-moi deviner, Erisandre. Ah mais c'est nickel parce que Alex a pris la loutre dégueulasse. Et moi j'ai pris les flèches parce que je kiffe sa troisième forme, mais je savais pas que les versions du jeu là elles changeaient. Un peu deg. Mais du coup s'il y a moyen de faire des œufs ou je sais pas quoi là, on pourra se filer nos starters. Vas-y parle connasse. La troisième forme, normalement, les troisièmes formes des stateurs ont des gueules différentes. Bah du coup, je t'en dis pas plus, alors, si tu ne le sais pas. Alors, quel est ton souci, ma petite dame? Ah oui! Ah oui! Bah c'est le soir. Une Typlosion? Typlosion, c'est lequel? C'est le... Attends, je suis perdu dans les Pokémon. Inspecter les quartiers de Mélie. Du bois, un seau. Bravo. Ah, il est déjà en dernière forme? Bah c'est chelou, moi je me suis fait spoil mon nez flèche et il avait plus la même gueule. Genre il avait plus une capuche, ou alors j'ai vu un fake et j'ai pas fait gaffe que c'était un fake. Mais même Alex avait l'air de me dire qu'effectivement il y avait des autres formes. Ah. Ah ouais putain. Déjà on a tous la même baraque, c'est énorme. A retenu ce message pour raison suivante, sexualité, sexe ou genre. Cliquez sur autoriser pour l'envoyer. Ah je peux rejeter ton message Jimbo, allez j'autorise. Il a des flammes roses de Depp, mais à part ça il se porte bien. Ouais il est shiny. Ou c'est normal.
Pas compris. Bah, il m'a parlé de sexualité, Twitch. Il m'a dit, attention, ça relève de la sexualité, est-ce que j'autorise? C'est normal, ok. On n'avait pas le souvenir non plus, mais... donc du coup, là, le mec, il s'est barré? Quoi? Ah merde, il y avait un bruit dans l'entrée, mais c'était pas forcément la porte, ok. Un enquêteur en mousse, quoi. Bah, ce qui craque, c'est le bois. Est-ce qu'il faut que je recommence parce que je suis sorti? Oui. Un lit, un bruit provenant du tatami. Ah, c'est un pitchou! Mais du coup, voilà, il était pas Spectre avant, donc là, c'est sa capacité à être dans le nouveau jeu, enfin dans la nouvelle région. Un peu comme Alola, il y a les Pokémon d'Alola, il y a les Pokémon de... Je sais plus le nom de cette région. Donc, t'es sûr qu'il a rien qui change? Oh! Putain, ce cadeau de ouf, quoi. Bon, il faut trouver le Musty Boué Baron. Hein. Tu dois avoir raison, hein. Y a que ça qui doit passer et c'est pour ça que j'arrive pas à donner les autres, mais... J'ai envie de vider mon parc aussi là. Je suis pâturage 5. Pâturage 5 et je vais plus avoir de place quoi. Alors attends, ça charge. Bah, il a un peu changé, non? Maintenant, il a une gueule de shooté et il est violet, et il a le type spectre. C'est génial. C'est vraiment ça? La gueule! Il a une gueule de déterré. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vide. Est-ce qu'on vide. Voulez vous relâcher? Non! On peut pas relâcher plusieurs, putain, ça va être chiant. Oh mon dieu, c'est horrible! Oh bah je ferai ça. Je vais pas faire ça en live, hein. C'est la pire idée du monde. Ah ouais, putain, il a l'air propre. Bon, il faut que je le trouve, moi, ce connard, là. C'est quand même une quête niveau 2 toute simple. Attends un peu, tu pourras relâcher plusieurs à la fois. Ah, merci.
Où est-ce qu'il pourrait être? Il est près des rives. Bah ouais, non mais je veux bien le croire, les captures elles se font foutrement plus que dans l'ancien, mais il est bien, hein. Franchement il est cool. Là-bas je sais qu'il y a un ronflex. Merde. Je les ai pas, ils sont niveau combien? Ça c'est l'évolution, il faudrait peut-être que je regarde. Je crois que je suis quelque part où ils sont start, non? Attends, dans le doute, on va juste tester avec Luxio. Niveau combien s'il te plaît? 29. Bah on va pas le tester. On va pas le tester, hein. C'est vrai que j'y pense jamais. Merde, c'était quoi? Attends. Et pourquoi il veut pas? Il a pas envie, Jimbo. Il a pas envie. Peut-être que je sois à pied. Ah oui, d'accord. Effectivement. Je suis en train de m'aventurer, je sais pas où. Par pitié, viens. Et voilà. Tiens, prends cette baie. Regarde, sent bon la baie. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle va pas loin. Ah! Il m'a fait peur. Viens pas vers moi comme ça. Putain, il a l'air cool. Il a pas l'air méchant. Il a pas l'air méchant, mais je doute qu'on puisse le capturer comme ça. Oula. Attends, mais ça va être un top picker. Scheiße. Ça marche mec, bonne app. Bon, moi je bouge pas de toute façon. Je vais explorer en live. Putain, le bâtard comment il a su? Ah, il est apparu, il est où? Au même endroit. Eh bah plus, alors bonne app. Oh le bat.
Mais comment il a fait? Bon, je suis vraiment pas. C'est pas mon level ici. Hein. Allez, trou de bite. Je suis con. On va y arriver. Je déteste quand je me gourre comme une merde comme ça. Bravo. Il va vraiment falloir que je trouve. Il est où ce putain de Musty Wave? Je vais pas y passer ma soirée quoi. Ah, il faut que j'aille vider mon sac. Alors. Je crois que ça peut être pratique, ça.
Allez, par pitié, t'es où? Salut Nae, comment va... Tu... Voilà, lui il est vénère lui. Comment vas-tu? Bon, c'est pas lui qu'on cherche, mais là c'est le coin des Musubwe, donc s'il doit être là, il doit être ici, il doit être sur cette rive. Salut Blue! Ah, vous êtes mis... Vous êtes mis d'accord pour arriver en même temps. Comment ça va? On était au tel. Ah voilà. Ça galope plutôt pas mal hein. Sur ce magnifique petit Pokémon. Mi Nintendo 64, mi Nintendo Switch. Bon ça va. Après un chouette week-end, ça va. Regarde, je bois un chocolat chaud même dans ta tasse Dragon Ball. Tellement le week-end fut agréable. Et donc là, on est sur Pokémon. Alors, je vous ai épargné le tuto de l'enfer. Qui dure des heures. Et on est plus là sur les quêtes secondaires. On variera, on va varier les plaisirs. J'ai pas un galopage, j'ai un Ponyta. Mais il va devenir, à un moment ou un autre, un galopa. Merde, il y avait un truc qui brillait fort là. Ah, c'est à côté. Comment... Tu te fais harceler par le meilleur pote de ta sœur? Ah, de ta grande sœur. Dans ma tête, j'étais sur la petite. J'allais dire, bah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais pourquoi qu'il te harcèle, le monsieur? Il a que ça à foutre. Et là, en l'occurrence, on cherche un Musubwe. Donc, un Musubwe, c'est ça. Il y a un mec qui en veut un, mais il en veut un grand. Et regardez, je peux vous montrer toute ma team. Regardez. Il veut pécho. Oh là là, les crevards du cul. Oh, moi, ça me fatigue, les crevards. Regardez, c'est ma team. Alors on a encore Danny Boone, on a encore Castorama, on a encore Edith Piaf. Mais on a cette fois-ci un Ponyta, un Musubwe. Et... Oh, qu'il est beau! Elle ne sait pas, je lui ai dit que je voulais pas coucher avec lui puisqu'il a déjà une histoire avec Léa et qu'elle est ultra positive. Il m'appelle... Ah ben non mais faut que tu... Faut l'envoyer du chier direct hein. Quand la bite commence à parler, l'homme ne répond plus de rien quoi. Alors ça c'est un Musubwe mais c'est pas un baron. On cherche un baron, donc un baron c'est les Pokémon qui ont des yeux rouges, qui sont grave vénères. Voilà, comme ça, ça c'est un baron. Donc maintenant il faut un Musubwe. Baron. Oh, il y a du Abra là. Oh, putain, il va falloir qu'on chope du Abra. On a toujours pas chopé de Abra, mais ce petit bâtard se barre. Oh, regardez, il y a un Colerette Baron là. Quoi? Bah ouais, bah écoute, si tu veux essayer... Ah, mais là, il y a un poids... Il y a un petit baron. Donc, ça existe, effectivement. Donc, il faut le trouver, maintenant. Putain, il est où? Musubwe baron, il doit être qu'à un endroit, c'est pas possible.
Bon, ultra dynamique. Non, avec lui, il peut pas aller dans l'eau, mais je vais avoir plus tard un autre Pokémon qui me permettra d'aller dans l'eau. Alors par contre, là, j'ai vu un petit Pikachu. On va essayer de le capturer. Regardez-moi cette capture. Et voilà. Pas de combat. Dynamique. Pas d'écran de chargement. Pas de en mode... Oh, t'as rencontré un Pokémon que tu sais pas c'est qui dans les hautes herbes, connard. Par contre, la musique s'était jamais emballée à ce point. Ah, ça veut dire qu'il y a un Pokémon dedans, ça. Par contre, Pokémon Pierre, donc on va envoyer Mustaboué. Ah merde. Eh bien on va le défoncer. Tu as l'air déballé. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bah ouais, j'étais vachement sceptique sur ce Pokémon là. J'étais en mode de la merde en barre ou on y va? Et... Attends, je me fais embrouiller là. Et en fait, je continue de penser qu'il est dégueulasse. Pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est immonde. Mais quand tu regardes comme ça, tu vois, t'as des plans qui font que malgré ses défauts techniques, il soit joli. Voilà, ça c'est le défaut que j'avais moi il y a la semaine dernière, c'est les graphismes, et au final ils ont réussi à combler d'une certaine manière autrement quoi. Maintenant, je rappelle que je sors de ce Pokémon de merde là où il y avait les combats toutes les deux secondes et que ça me cassait le cul. Donc d'avoir cette version là qui est ultra dynamique, où en deux secondes il se passe 10 captures, 3 combats et que j'ai pas vu le temps passer, ah ouais, carrément c'est pas la même sauce quoi. Donc oui, je suis emballé. Contrairement à ce que j'ai pu jouer avant, je suis emballé. Est-ce qu'il survit à ça? Ah, il a pas trop aimé. Il a pas trop aimé, mais ça va. Donc oui, effectivement, je suis emballé. Je suis complètement emballé. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, et j'en parlais avec un pote, c'est que ça soit ultra répétitif. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là-bas? Oh, je l'ai pas! Oh, je te veux! Connard! Oh putain, si tu viens pas dans mon équipe, je te défonce. Oui! Non, c'est incroyable, ouais. C'est vraiment incroyable. C'est beau de voir enfin un Pokémon qui se modernise. Il était temps. Depuis 99, c'est la même formule. Mais on rêve là, non? Regardez, c'est pas beau. Des grands paysages, des grandes étendues. Des captures de Pokémon attirent l'arigot. Attends, là c'est là d'où je viens. Ouais. Je sais pas où il est par contre. Le Mustiboué Baron, je sais pas où il est. Ça, c'en est pas un. Il est cher ou pas? Alors. Il faut que tu... T'as des jeux en physique, Blue? En boîte, des jeux que tu aurais acheté. Mon pote, oui. Alors en fait... Moi, je l'ai pris et je l'ai eu à 19 balles, mais parce que Micromania, jusqu'au 4 février, je crois, te font une offre de reprise sur certains jeux. C'est-à-dire que tu leur ramènes le jeu, ils le prennent
Et du coup, il te facture Pokémon, le nouveau Pokémon, à 19 balles au lieu de 50. Moi, pour ça, j'ai ramené Octopath Traveler. Par exemple, Animal Crossing New Horizon, moi, je sais pas si tu veux t'en séparer, mais il est dedans, typiquement. Après, dedans, t'as une offre aussi pour des jeux PS4, des jeux PS5, bon, tu l'as pas. Switch, 3DS, DS. Il y a des jeux DS qui peuvent être vendus. Wii, Wii U, Xbox One, Xbox Series. Ou alors du matos, des manettes. Bon, je suis pas spécialement fan de faire leur pub, mais... Mais bon, avoir le jeu à ce prix-là, c'est quand même mieux que... Que de l'avoir à 50 balles. Donc voilà, si jamais tu désires te l'acquérir, les possibilités que tu peux avoir pour l'avoir à 19 balles seulement. Ouais, c'est intéressant, carrément. Moi, sans cette offre-là, je sais pas si je l'aurais pris, par exemple. C'est vraiment d'avoir vu ça où je me suis dit, bon bah allez, go, c'est bon, 19 balles. Bon, maintenant, il faut que j'arrête les dépenses, que j'arrête les frais, parce que dans un mois, c'est l'Islande et que ça coûte cher. Mais un petit plaisir à 19 balles, on peut se le permettre. D'ailleurs, vous avez vu le nouveau poste là qui est... Est-ce que vous avez vu ce nouveau petit poste qui a popé dans la journée? Mais Phasmo, oui, moi clairement, je veux qu'on se le fasse. Mercredi, je sais pas si je pourrais, mais si on peut se le faire demain. Alors demain, normalement, c'était censé être The Witcher. Et les gens vont vraiment croire que je veux le fuir. Ou jeudi. Ou alors, il faut attendre le week-end, mais ça fait un peu plus long. Je suis partant à 400%, quoi. Eh ben, il est propre, non? Intéressant, ce qui s'y passe. Bon. Alors, par pitié, il faut qu'on trouve le Musteboué, hein. J'ai pas envie de faire un live entier sur une quête secondaire que j'y arriverai pas. Ralentis, connard! Ah non, mon perso n'aime pas la nage. Bah ouais, carrément. Il avait kiffé lui à l'époque, alors... qu'est-ce qu'il aurait envie de le refaire avec nous? Ce serait cool. Ce serait cool. Moi, je préfère en week-end, c'est sûr, parce que bon, ça me permettrait de boire un coup pour être rigolo pendant Phasmo. Mais non, je veux pas picoler à chaque fois, donc. Donc si vous voulez le faire. Il y a du... Ah, il y en a là. Alors, est-ce qu'il y aura le baron? Il n'y a pas le baron. Hein. Donc si vous voulez le faire demain soir ou... Aïe. Demain soir ou jeudi soir, moi en gros je suis chaud. Ah, le jeu Among Us revisité, mais j'aimerais tellement aussi. Hein. Putain, mais s'il y a ce petit pigeon là. Ah non, tu demandais si c'était ça. Ah non, Phasmophobia, c'est le jeu d'horreur. Où, tu sais, on parcourt la maison, une maison hantée. À la recherche d'indices pour identifier un fantôme. Oh oui, il était drôle celui-là. Donc moi, je me le referais clairement. Hein.
Lequel qui a 8 euros Le Among Us revisité. Et il me semblait que ouais, je l'avais vu à 8 euros. Il est vraiment pas cher. Waouh! Mais alors toi? Reviens là. Oh le bâtard. Bah c'est dans l'histoire, il arrive automatiquement au bout d'un moment et il est en mode tu es l'élu, donc il accepte de venir avec toi. Mais c'est pas mon Pokémon, je peux pas me battre avec quoi. Et normalement que... Oh, petit Goinfrex là, il est niveau combien? 22? Allez, on le tente. Voilà, donc ça c'est un baron, c'est comme ça qu'il nous faut nous. Ouais, c'est un cerf, oui. Ouch! Non! Non! Je me suis trompé de bouton! Envie de chialer. Attendez, on va faire un truc, on va dormir et on va voir s'il réapparaît. Ah, ça dégoûte. Ah, on l'avait là. On l'avait. Bon. En tout cas là, moi ça commence à me faire chier de chercher le Mustéboué. Je suis pas sûr qu'on va le trouver, donc donc on va peut-être changer de quête hein. Alors, est-ce qu'il est réapparu ou pas? Ça a pas l'air. Ouais, non, non, il y a beaucoup moins de combats, pour pas dire quasiment plus, quoi. Il y en a, mais c'est très rare. Ah, il est pas réapparu. C'est où je voulais aller? Ah mais oui, il y a un endroit que j'ai pas fouillé. Attendez. L'endroit où il y a les lapins là.
Ah, c'est par là-bas. Aïe. Non, du coup, c'est vachement plus intéressant, hein, le jeu. Oh ! Ma monture ! Allez, chier. Parce qu'on est venu ici, on a fait le tour de cette île-là, mais on n'est pas reparti par là. Et là... Là, potentiellement, il y a des Pokémon que j'ai pas. Ah oui, alors, d'ailleurs, pourquoi je capture autant de Pokémon? On va prendre les Cunotors, je crois que c'est ceux que j'ai le plus avancé ou... Ouais. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour les points de recherche. En fait, c'est les Pokédex qui est essentiellement votre mission. Donc en fait, on est revenu, hein, déjà pour le speech. On est revenu à l'origine de Pokémon. On est quelqu'un qui a voyagé dans le temps pour arriver à l'époque où les Pokémon étaient et les humains ne se connaissaient pas vraiment et avaient peur l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que nous, on a un peu un super-héros, parce qu'on a, pour nous, les Pokémon, c'est commun, et on sait les attraper, on sait les dresser, parce que c'est basique dans notre génération. Donc c'est comme ça qu'on est investi d'une mission qui est d'étudier un petit peu les Pokémon pour que ce peuple, je ne sais plus comment s'appelle le Bled, puisse être un petit peu plus familier avec eux et les connaître. Donc là, on voit qu'il peut en attraper plein. Par exemple, là, mon Cunotor. Quand j'aurai attrapé encore deux poids lourds, donc je sais plus c'est lesquels, que j'en aurai défoncé 15 et que j'aurai fini une quête qu'on fera après, j'aurai fini la page Pokédex sur ce Cunotor là. Et on va voir ce qui se passe parce que j'en aurai pas fini encore jusqu'à présent. Mais alors du coup ça me dit que le Cunotor j'aurais peut-être dû l'attraper là. Bon tant pis, on fera ça un autre coup. Et il faut faire ça avec tous les Pokémon. Donc ça, moi j'ai un peu peur que ce soit répétitif. Mais c'est pour ça qu'il y a une mission et une histoire aussi. Mais voilà, je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on le tue? Ah, on va le tuer en faisant ça. Attends. Non, yes, c'est bon. Ok. Ah, mais j'en ai marre. Par contre là j'ai peur qu'on le tue. On a level up. Non c'est bon. Mais voilà, en tout cas c'est pour ça que on doit attraper bien plus d'espèces que dans les autres. Là où avant t'attrapais le Pokémon et t'avais directement toutes les informations. Là comme c'est un vieux Pokédex que tu remplis à la main, c'est un cahier en fait. Bah il était plus cohérent que... qu'il soit nécessaire d'avoir plusieurs types de Pokémon de la même espèce pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les analyser.
Heureux. Waouh. Bon, Jimbo, tu serais gentil de me dire où tu l'as trouvé ton moustiboué là. J'ai parcouru toute la map et une grotte. Oh, une grotte. Oh, des Pokémon qu'on connaît pas. Obligator, sinon je me coupe une boule. Oui, des machocs. Oh oui, de la pierre. Ah vache, attends, t'en sors pas toi de tes affaires. Hein. Ah ouais. J'ai dit rentre dans ta Pokéball. Bah tu vois, on en apprend tous les jours. Tu sais plus du tout vers où ça aurait pu être. Je crois qu'il m'a vu hein. Ouais, il m'a vu. Tiens, rentre dans cette grosse Pokéball. Oh, ils ont pas l'air méchants. Hein. Non, regarde, paf, dans ta gueule, connard. À mon avis, il va y avoir un baron en bas. Pas bien un machopper baron. Ah. Est-ce que tu veux que... Je sais plus où est-ce que je suis rentré dans la grotte. Tunnel de fer, c'est ici, voilà. Je suis rentré ici. Et tu crois que tu pourrais regarder sur internet, Jimbo ? Mustibou et Baron, c'était où ? Au secours. Qui a mis ça ? Éclat de ballon. Oh putain, j'ai pas fait moi. Bah là, comme je cherche l'autre con. Ah, il y a des objets perdus là aussi. Oh mon dieu. Ah. Par curiosité, c'est quoi ton niveau toi, mon petit bonhomme? 30. Voilà. Salut. Aïe. Ça va, je déconne. Alors attends, parce que là, c'est des Mustiboué que je connais pas, moi. Il y a un Magikarp. Ah, il va me falloir l'autre Pokémon que je puisse nager. Hein. Non. Pas de Mustiboué ici. Ils vivent en famille, c'est trop mignon. Oh, tu les esquives, tu cours.
Moi je me paume, hein. Je sais plus ce que j'ai fait, je sais plus ce que j'ai pas fait. Ouais, j'ai l'impression d'y être jamais allé. Mais en même temps, je vois pas grand chose. Eh non, malheureusement, on ne peut pas jouer ensemble. On pourra se faire des échanges. Waouh! Hop! Oh, il a l'air vénère, lui, par contre. Hein. Putain, mais. Ah ouais, niveau 45, le Scarabrut. Ok, salut! C'est comme le Léviator, Jimmy, tu l'as vu. Ce magnifique Léviator qui... Je crois qu'il est au-dessus de cette cascade là. Mais tu vois un Léviator qui vole dans les airs près de la cascade. Et j'ai essayé de lui jeter des Pokéballs pour le capturer, mais... Malheureusement, ça ne marche pas. Pas de Léviator? Alors attends, on va voir s'il y est. Je sais qu'il y a une cascade, donc là je vois la cascade, je me dis que c'est celle-là. Ah, le Vlarian. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle pleure? Ah non, mais je pense qu'il y a... Moi, je pense qu'il y a moult trucs à explorer, hein. Alors je sais pas comment on peut l'avoir, là il vient près de moi. Ah alors attendez, si je vais là-bas. Là on a vu qu'il est passé tout proche. Hein. Jimbo il m'a dit qu'il avait des Pokémon niveau 30, donc moi ils sont 20. Enfin non, plus que 30, 35, 36. Donc je pense que Jimbo a pour l'instant plus de level. Il est où le bâtard? Ah non mais c'est là qu'il vient. Ah non mais je l'aurai jamais. Ah bâtard. Ouais bon je vais pas gâcher toutes mes Pokéballs je crois. Bah Jimbo il m'envoie un screen mais la partie intéressante elle est pas sur le screen. Ouais bah je vais chier. Bah oui qu'elle est mimi ma petite perso là. Ah mais ils disent pas quelle rivière? Tiens un Pikachu. Mais gros, pourquoi t'es vénère? Oh bah ok, bah t'es vénère. Hein. Attends, ils disent quoi? Ah, je vais pas faire roulade dessus. Bah, pour cela, longez la rivière aux endroits indiqués sur la carte ci-dessous. Faut ma gueule, Jumbo. Faut ma gueule, Jumbo.
Oh le petit bâtard. Ouais, un peu... C'est le caractère, ce connard. Hein. Parce que bon, je veux bien longer des rivières, mais il y en a plein. Et surtout que j'en ai déjà fait pas mal. Là, c'est des castorneaux, parce qu'il y a le barrage. Ça paraît logique. Dégage. Ah. Merci. Position actuelle. Ah mais laissez-moi. Donc là. Attends, c'est au Valferrache, hein. Ça, c'est laquelle... Ah non, c'est celle-là. Ils disent pas s'il fallait le faire de nuit ou... Non, ils ne disent rien, donc on va voir. Ah, laisse-moi. On va vider son... On va vider le coffre. Hein. Enfin, on va se vider les poches. Ah, c'est vrai que je pourrais peut-être changer les mass balls. Merde. J'ai oublié l'effet des mass balls. Le Pokémon est trop lourd pour être lancé au loin, mais si elle atteint un Pokémon distrait, le taux de réussite est élevé. Voilà. Allez, Mass Ball. On n'y est pas encore. Et voilà, c'est ça, c'est ces petits cours d'eau là. Mais y a pas. Arrête. Alors là, il y a un galopin, mais il est vénère. Hein. On n'a pas le niveau. Ah
Bah non, là on peut pas. On peut pas nommer les... Donc cette fois-ci, ils ont pas de... Ah, c'est propre à l'aventure de Connerman, ça. Je suis en train d'essayer de faire une quête secondaire. Il y a une histoire principale aussi. Mais comme je galère un peu, bah, on perd du temps. Mais je pense que... Là, je vais regarder... J'attends la nuit. Je vais regarder au spot que Jimbo m'a dit de nuit. Et si je le trouve pas, on va passer sur une autre mission. Je vais faire 2-3 secondaires. Et après, je reprendrai la principale. Galopin. Non, là, je dois trouver ça, là, la merde, là. Mais en mode baron. En mode baron, c'est-à-dire les gros yeux rouges, là, comme je vous ai expliqué il y a 10 minutes. Parce que j'ai une quête, justement, où j'ai un mec... qui veut un mustiboué mais avec une certaine taille. Et j'en ai capturé plein en pensant que c'était bon, mais ils sont tous en dessous de la taille que le mec veut. Ah merde ! Je me suis trompé de Pokéball. Fistre. Let's go. Bon. La nuit est tombée. Est-ce que ça a fait apparaître, ce qu'on cherche? Je vais tous les défoncer. Oh genre. Il y en a de l'autre côté. Ah non, mais de l'autre côté, c'est le là où il y a le gros. Ah, c'est ça, il y a le gros, mais il y a pas de petit, quoi.
Tu me fais chier, tu me fais chier. Ça fera monter le Pokédex au moins. Merde, je vais pas faire tornade. Sourcils vaincus. Ah, j'ai fait de la merde. C'est un peu naze ça quand même. Putain, mais j'étais passé tout à l'heure, hein. Par où? Lui, je l'ai capturé, lui. Et c'est un... Et c'est le du dessus, et le mec, il en veut pas, quoi. Mais, par exemple... L'étourni, là, je l'ai vu en étourvol baron et en étourni baron un peu plus loin. Donc, il y a bien les deux... Il y a bien les deux, quoi, mais... Mais je sais pas pourquoi j'ai pas de chat comme ça. Non mais c'est clair, ça va me dégoûter. Hein. Bah écoute. Pourquoi pas quoi. Parce que je veux bien faire un grand ménage de tous les mustiboués et tous les défoncer mais... On voit pas tes PV. Ah ouais, alors attendez.
Voilà. Ah mais non mais il dormait, c'était bien quand il dormait. Ah mais quel bâtard. Je suis pas sûr que ce que je fais ça soit vraiment utile. Bon. Je vais aller voir de l'autre côté de la rive et s'il n'y a pas, on va changer de quête. Hein. J'ai fait de la merde! Non, toujours pas, mais on va changer de quête, hein, je pense. Ouais, non, lui, c'en est pas un. Et avance. Pourquoi elle a pas avancé? Attends, il y en avait un, là. Non, j'ai rêvé. Allons-y vite. Fuck. Ah non. Non plus. Non plus. Rusticité, oui, c'est la ville. C'est la ville du jeu. Bon. Merde, je vais pas faire cette attaque de dôme. On va changer de quête. On va clairement changer de quête parce que là on est pas gâté. Hein. C'est ici. C'est non. Allez, on y va. Attends, mais ça, c'est la musique d'un...
Putain, mais là, il y en a un, quoi, de merde, là. Ah, nous, c'est ça qu'on veut. Mais en mode mustiboué. C'est dingue cette affaire quand même. Hein. Je suis à 2,5. Donc ça a un peu monté. Mais pas encore. On n'est pas encore au 3. Allez, on va faire d'autres quêtes. Parce que visiblement, les mustiboués ne sont pas avec moi. Et on va retourner en ville. Ah oui, il faut faire mon rapport. On doit aller chercher la troisième étoile. Donc c'est ça, rusticité. Merde, les quêtes, c'était comment? Ah, mission Y. Ah, pourquoi ils me les ont encore triés comme ça, là? Les appâts de Toumou. Un champi Toumou, je crois que j'en ai, non? C'est qui les voulait? Il est où? Ouais, c'est ça, le fameux camp de concentration de nez. Hein? Ils me montrent des psychoquacs là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Yes, bah je me suis trompé. Alors, qui c'est qui voulait son petit champi, là? Tenez, un petit champote pour monsieur. Oui. Merci. Ah bah des appâts, oui, on peut les acheter. Ah, on n'a pas la recette pour les faire par contre. Ensuite. Qu'est-ce qu'on avait d'autre?
Et ici elle? Là-bas. Ah mais il a fini le jeu lui hein. En une trentaine d'heures de live, il a fini. Alors, il semblerait qu'un beau drive joue tous les soirs avec des enfants sur la plage de premier pas. Inquiété le soir. Ah bon, il va falloir qu'on aille dormir chez nous. Tu l'as appelé comment Jimbo lui? Je suppose que tu l'as appelé Jean Charme toi aussi. Normal. Alex aussi l'a appelé Jean Charme. Et hop, pieds nus. Au lit. Une claque sur le cul. Ah ouais, il a évolué. Ah oh, putain. Non mais c'est pas la nuit. Oh, c'est la nuit quoi. Non, ils ont dit au soir, on est d'accord. C'est la nuit, les enfants, ils peuvent pas sortir de toute façon. Mais j'ai fait dormir jusqu'au soir. C'est bon? Ok. Enfin, c'est con qu'on peut pas avoir notre monture dans la ville, quoi. Avec mon petit costume, tu peux te TP. Ah mais oui, ça j'y pense jamais. Avec mon petit costume de caninos, j'ai hâte de les capturer les caninos de. Alors, ah c'est là. Les caninos de cette version, ils ont l'air assez cool. Faites votre rapport à Super Nanny. Ah, Castorno, on les fera après. Donc on sait qu'il y en a un là. J'ai pas de Castorno sur moi, de toute façon. De... la forme de base, pardon. Planter des trucs dans le verger. Comment ça? On m'a pas dit ça que je pouvais le faire. Il y a une similitude avec quoi? Avec l'autre Pokémon de merde que je faisais avant? Rien à voir, mais strictement rien à voir. L'univers reste le même parce que c'est Pokémon. Mais en termes de lenteur, en termes
Non, c'est pas comparable. Compare pas de la merde avec du pipi. Avec du pipi, bah non. Ne compare pas de la merde avec quelque chose de mangeable. Tu me parles pas au PNJ, Quentin, c'est pas bien. Ah, désolé. Mais après, évidemment que c'est le même univers, donc tu vas retrouver les créatures. Ah, avec les camps de concentration. Oui, voilà, on est d'accord, ouais. Là, on est entièrement d'accord. C'est vrai que c'est... C'est pas très gay. Alors, il est où le petit bâtard? Attends. Paf. Carge de la Vierge. Donc il m'en manquera un de Kenotor. Alors, parle au mec près du verger. Attends, mais c'est ça que t'appelles un verger, toi? Ouais. J'appelle ça un champ, moi, mais bon. ah, des noix grumes, s'il te plaît. Bon, il nous reste un Kenotor à trouver. Yes, ça va, bon club, mec. Oh, il est où? Ah, mais... Ça y est, il commence à avoir des Pokémon qui squattent, là. T'es qui, toi? Je trouve ton daron. Ton baron, ouais. Moi, j'aurais été un Kenotor, je me serais caché ici. Moi, je parie sur un McDonald's. Hein. Un petit McDonald's pour Jimbo. Ah, ici, il y a de la bouffe. Potentiellement, il peut venir ici pour vouloir manger, le petit Kenotor. Non, non. Oh. Burger King. Ah, Burger King, c'est assez loin de chez Jimbo. Du coup, j'y crois pas. Mais comme il aime bien et qu'il y a un moment où il a découvert qu'il trouvait ça vraiment cool, c'est pas impossible qu'il se soit motivé, mais... Parce que je dis c'est loin, mais... À 15 minutes en voiture. Là où le McDo, moins de 5 minutes en voiture et il l'a, quoi. Il a aussi des pizzerias et des kebabs à disposition, mais je reste sur le McDal. Pas de carbo pour toi? Eh bah, dès qu'il a fini sa clope, on aura notre réponse. Voyez où ce connard là? Kenotor. Non, Uber Eats il passe pas chez nous. On est dans des coins paumés. Attends, mais il y a une couille dans le pâtage. Dans le pâtage.
Pourquoi je le vois pas? Ça j'ai fait. Oui. Non, oh, Jimmy est pas très asiat. Non, oh, moi je maintiens. Hein. Je maintiens le McDonald's. Mais pas de carbo, ça aurait tout à fait été possible. La seule chose qui me fait dire que c'est pas de carbo, c'est parce qu'il me semble qu'il a dit qu'il allait chercher à manger tout à l'heure. Je sais pas où il est, ça me fait péter les plombs. Ah, peut-être. Ah, j'ai trouvé quelqu'un tout à l'heure. Ah, j'ai eu les points. Quoi ça? C'est qui qu'on entend hurler comme ça? C'est compliqué. Je trouve pas, on est marre. Allez, arrête de te cacher. C'est fini, vermine. Ah oui, non mais oui, ça j'ai bien compris. Ah, il est là. Oui. Eh ben, c'était compliqué. Hein. C'est beau. Hein. Ouais, un super bon bec. On est 15 des mustibués, il y en a pas un qui fait la bonne tech. Bon alors, ça c'est quoi? EIS du corps de la défense a une mission à vous soumettre au sujet de la vision nocturne du Nosferapsi. Allez lui parler pour savoir de quoi il retourne.
Allez, tiens. Heureux. Tu vas pouvoir répondre à la question que tout le monde se pose dans le chat. Un bon gros kebab. Ah merde. C'est vrai qu'il y a le kebab aussi. Bon bah on a tous les trois perdus. Montrez la page Pokédex complétée de Krixik. Ah mais... Je sais pas s'il considère qu'elle est terminée ma page. La quête 20, tu vas kiffer, Carge. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Mais... Non, il est derrière. Ah si, c'est bon. Alors, la quête 20, tu dis ? Ah mais oui, je voulais trop le faire en plus. On va dormir jusque la nuit, je pense. Et on va aller chercher feu follet. C'est où? C'est là-bas. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bon, je crois qu'il a pas envie. Ah ouais? Mais non mais qu'est-ce que je fous avec un culotteur niveau 3? Ah merde, j'ai pas changé, putain! Oh non, dommage. Bah, je sais pas parce que j'ai mon Ponyta quoi. Le bats, on le bats. Ah, j'ose pas le taper. Ah, vive attaque, ça fait pas mal non?
Bah voilà. Ah ça va, ils sont gentils. Ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils sont gentils? Ouais, toi tu penses que Ousticram il est mieux que Ponyta? Moi aussi j'ai eu peur. La bouffe c'est kebab. Oh, tornade alors. C'est vrai que le starter, il a 3 évolutions. Mais je pense qu'on va, on va au moins avoir... on va au moins avoir Galoppa. Il faut qu'on évolue Ponyta en Galoppa et après on pourra songer à changer de façon. Dans ce Pokémon-là, j'ai bien envie de... J'ai bien envie de, comment dire, tourner les équipes, quoi. Après, c'est clair que là, s'il y a un Salamèche qui se pointe, y a pas photo, quoi. Ah, du coup, il va falloir que je lui monte, je pense. Non, je pense que je peux lui montrer sans l'avoir dans ma team. J'avoue que je m'attendais pas à lui, en tout cas, en termes de faux-follet. Je sais pas non plus. Merde, j'ai pas été chercher le niveau 3. Aïe. Poète, 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 poète. Ah. Timbo qui va trouver un musty boué. Ah, j'aurais dû aller voir là, je suis con. Par contre, il faut un abonnement Nintendo pour faire des échanges en ligne, les bats. Ah ouais? Ah. Ah. Ah, les bats. C'est 3 balles. C'est 3 balles, Jimbo. Ouais, on l'a aussi, celle-là. C'est où? Mois offert. Oh, oh ça va. Allez, amuse-toi bien, Rakeyu. Ensuite,
Éclater au moins 17 ballons, ou alors montrer la page Pokédex complétée de Seriflore à Borsol. Seriflore, je crois pas l'avoir... Pourquoi tu bosses plus, toi? Ah non, on l'a pas, Seriflore. Il va falloir aller chercher Seriflore. Ah ouais? Quoi, ouais, il est si dur que ça à trouver? Il me semble que j'en avais vu. Je sais plus où je les ai vus d'ailleurs. C'était pas près de la du tunnel de fer. Hein. Allez, c'est first try. Il pleut, il fait nuit, c'est le moment. Le jeu, il se fout de ma gueule. On peut voir où est-ce qu'on les rencontre bien traverser parce que là visiblement ça pue du cul, on est d'accord. C'est où? Ah non, c'est encore l'autre con, c'est encore l'autre connard, l'autre pencu. Remarque, la nuit c'est peut-être pas le meilleur plan pour les trouver, en fait, comme il y a une invasion de... des ballons là. Ah non, mais me dis pas ça. Je suis à peu près certain d'avoir vu des Seriflore.
Ça, c'est les paras. Castorno. Psychoquac, les lapinous là. Allez. Oh. Oh. Lui, je l'ai pas. Bon, dégage, Nosferatu, s'il te plaît. Allez, il va falloir être vaillant, mon petit Castorno. En vrai, on va capturer Nosferatu comme ça. Aïe, 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 aïe. Ok. Allez. Yes. Sériflore. Où est-ce que je t'ai vu, Sériflore? Niveau 40, salut! Oh, vous m'avez cassé les couilles. C'est une petite extermination de Psychoquack.
Merde. Ah, oh, elle capturait lui. Ils font si mal. Alors. Je suis censé faire quoi avec cette apparition massive de Pokémon? T'as le mec. Attends, mais elle était où ma grotte là? C'est plus par là? Luxio, bats les couilles frère, c'est quoi là-bas? Bah les steaks aussi. Ah, là, voilà. Alors, est-ce que c'était des sériflores qu'il y avait après la grotte? Ou par contre... Il y a des racailloux. Ah, on a des Magikarp. Je sais pas si on peut les avoir d'ici. Ah bah voilà, bah venez les gars. Laisse tomber. On va aller chercher plutôt celui-là. Allez viens mec, tu m'as vu. Yes. Bon, y a pas de... Vous êtes pas baron. Alors.
Lui, c'est un baron, mais c'est pas qu'on veut. On veut pas. Non, il me semblait qu'il y avait des... Ouais, mais non, mais je voulais... Je voulais pas faire ça. Trois contre un, bah allez les gars, quand vous voulez quoi. Ah mais eux je les ai pas en fait. C'est pas la même forme. Oh ça va les one shot non? Ah, c'est super efficace. Bon bah je crois que... Je crois que t'es mort mais c'est pour la bonne cause. Yes. Eh bah Ponita hein. Putain, j'avais même pas calé que je les avais pas. Yes. Ah alors attends. Merde. Ouais ça va être toujours la même merde. Bah non bah je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut avoir ces merdes. Je suis allé au lac Vérité, moi. Alors, on va regarder s'il y a une dernière fois mon géant, là. Et s'il y est pas, on va faire de la quête histoire. Pas qu'on s'emmerde, mais on s'emmerde.
Ah, parce que le baron là, il y est encore, lui. Putain, ça dégoûte, ça dégoûte. Dingue, putain. Putain, mais j'ai même un baron chenipote de merde là. Y'a pas moyen de traverser l'île, sérieux? Je vais y avoir de l'autre côté, moi. Ah, lui, il est revenu. Ouais, mais ça dégoûte que je trouve un chenipot vénère. Ah, et attends, y'a pas moyen de faire un truc là? Allez, moi je suis de l'école Skyrim là, on peut tout monter normalement. J'ai cru qu'il est tombé dans l'eau ce bâtard. Allez, allez. Non, on peut pas. C'est vrai que j'aurais pas fini encore une page moi. Là je me focus sur les quêtes mais... Il a pas sauté, trou du cul! Ah, quand tu finis, t'as plus de chance pour les shiny, d'accord. Bon, ça, c'est bien à savoir ça. Mais saute, trou de balle! Bon, bon, on va faire le tour. Hein. Voilà, tu sais sauter en... D'accord. Bah tu vois, je savais pas. Ça c'est encore lui hein. Et ce sera encore cette merde. Ah, ça saoule. C'est dingue, hein. Pourquoi j'ai pas trouvé non plus, quoi. Ah, la chatte. J'ai cru qu'il était pas mort.
Ah bah on va retourner en ville et on va faire on va faire de la secondaire quoi. De la principale pardon. Et ici, il y a quoi? Ah, je me rappelle plus trop par là. Ah, le champ flora. Bah vas-y, c'est par là. Champ flora, il doit y en avoir des séries flore. J'ai esquivé. Oh là là. Ponyta est mal en point. Allez, on va y aller avec qui tourvol. Bon, on va se calmer. Non. Je crois pas que je l'ai lui hein. Merde, il fait des attaques efficaces. Non je me... Oh bien joué. Allez c'est lui ou moi. Ok. Ouais, bravo. Ah, on va arriver au lac Vérité. Ce bruit. Oh, il se passe des trucs au lac Vérité. Hein.
Oh, déjà, ça vole au lac vérité. Qu'est-ce qu'ils veulent là? Ah, c'est une raie? Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Quoi ça? Oh, j'en ai marre de ces merdes. Allez, ça passe ou ça passe pas? Oui! Ah, je... Vous avez pas chez Diesel? Alors, par contre, du coup, c'est quoi ce Pokémon qu'ils veulent, là? Ah, je crois qu'il m'a vu. Oh, je crois qu'il est niveau 60. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Oh, chiasse. Eh, hey, t'es niveau combien toi? 19? Allez, à défaut d'avoir Abra. Allez, Castorno. Molo. Non. Non plus. Allez, c'est la bonne. Et ben voilà. Oh oh oh. Est-ce qu'on n'aurait pas une évolution, mes petits amis? Bravo. On a plus que Ponyta et Luxio et Tourvol aussi et Flèche. Castorno il est au max. Must et Flèche, je crois que du coup c'est au max.
Ah, des monsieur Mime Junior. Voilà, il y a des 100 coquilles, mais... Est-ce que ça va passer? Je suis désolé. Ça passe? Oh, trop facile. De toute façon, c'est pas ce qu'on cherchait. Mais à bras quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a différentes espèces qui commencent à arriver un petit peu au fur et à mesure, quoi. Je suis à peu près certain que les Pichu, ils n'étaient pas au tout début du jeu. Donc si ça se trouve là-bas, ça fait un petit moment que je suis pas allé, mais il y a peut-être une nouvelle espèce qui s'est installée. Oh, mais quel bat dessus. Eh, niveau 40 quand même, hein. Ah bah non, mais là, j'y suis allé. Ah non, j'y suis allé. Eh ben allez, bonne nuit Nae. Merci d'être venu, c'était cool. Bon bah on va aller faire des histoires. Hein. On va aller terminer par une quête du mode story.
Et à voir ce que ça va apporter aussi la troisième étoile. Ah bah t'inquiète, kiff mec. Je comprends parfaitement, mais c'est pareil. Je sais pas trop. Peut-être encore une heure, peut-être moins, je ne sais pas trop pourquoi. Du coup, lui, sa mission, c'est mort aussi. J'ai pas trouvé non plus les sériflores. Ah, j'ai pas fait ça, putain. Ok, ça se passe comment? Au courant moi. Dégage! Oh j'ai loupé! Oh j'ai loupé deux fois! Que je fasse combien? Il me dit pas qu'il en voulait 30. Oh, easy. On va aller chercher les objets perdus de Mila là. Bah écoute, par contre je sais pas, voilà. Du coup je sais pas combien de temps je vais rester mais... Ouais je dirais une... Une heure? Il est quelle heure là? Ouais peut-être une heure. Alors Mila elle est morte ici. Ah, je crois que je les vois. Ok. Oh, c'est moi qui ai mis cette merde là. Oh non, mais encore des objets perdus. Les objets perdus de Léo, quoi. Thank you.
C'est ça là-bas? Non. C'est plus par là. Là. Ok, bon, allez, histoire. Ça, mais chaque fois qu'il pleut, j'ai quand même envie de voir pour le... Mais il est plus grand en taille, lui. Arrête! Ouais, il est plus grand en taille, mais bon, je suis pas sûr que ce soit ça qui... Je suis pas sûr que ce soit ça qui suffise à nous avoir la mission. C'est quand même dingue que je rencontre pas, quoi. Là, là, y a un monsieur mime. Ça, c'est clair que si ce jeu, on pouvait y jouer à deux, quoi. Oh, oh là là, infini. Hein. Plus de life, quoi. Bon, allez, on va aller au village. C'est beau de rêver. Eh oui. Ouh. Ah mais il s'y prête très bien quand même. Avec des hordes de Pokémon, t'imagines, tu te balades, tu tombes sur une horde, vous êtes deux, il faut se défendre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les trucs que j'ai... Bravo. 316 points. Merde. Voilà ce que je vais garder. Moi j'aime bien garder ça.
Alors, il était plus grand. Oui! Oui! On l'a. Alors, c'était pas un baron. Mais il va suffire. Tiens mec, prends-le ton putain de mustoué de merde qui m'a cassé le cul pendant des heures. Et ben voilà, donc il me reste plus que la mission de la chenille, pas des chenipotes, de je ne sais plus comment ça s'appelle, des fleurs. Rosa, non pas Rosalie, je sais plus, ben bref on s'en branle. On s'en branle, là on va faire de l'histoire. Je vais agrandir d'un slot quand même. Comme ça, normalement, j'ai la ligne entière. C'est ça. Yes. Vas-y, donne-moi ton hérisson, il ne sert à rien. Bon. Un étrange Ponita. Bon, c'est pas de l'histoire, hein, on a menti. Eh bien allez, allons voir à quoi ressemble cette étrange Ponita. Y'a pas eu des nouvelles fringues là avec mon grade 3? Toujours les bandanas de merde. Ah! Les vestes festival, elles y étaient pas ça. Pas très belle.
De la merde. Je sais pas si j'ai pris le bon. Mais non. Jimmy, t'as-tu vu? Mais ça fait chier. J'ai envie de le garder, moi. Je sais même pas si on peut le garder ou s'il va nous... s'il va falloir lui donner pour compléter la mission. En vrai, ça serait pas très loyal de choper un shiny comme ça. Normalement, le shiny, faut le chasser, faut... Le garde. Putain, on le garde.
Bravo. Ah, les bombes à vagabondes, c'est bien ça. Oh, ça pue la merde, ça. Oh. Merde. Si je veux pas...
Là, j'ai claqué 500 balles dans le vent. Je pensais qu'il allait avoir des nouvelles coupes, moi. Jeu de merde. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Trois épideries. Putain, y a des quêtes partout. Prêter un Pokémon de type sol, bah j'en ai un. Heureux. Ah j'en ai qu'un. Non, bah voilà, je vais lui donner un racaillou. Bah j'ai avancé. J'ai validé au fait dans l'histoire ma quête là. Du grand Ashigator. Et ce qui fait que ça m'a débloqué plein de quêtes secondaires de partout. Et celle notamment des flammes violettes là. Et du coup j'en ai eu une qui m'a permis d'avoir ça. Donc j'ai un peu remplacé mon Ponyta quoi mais... merde, il me reste 3 quêtes encore à aller chercher. D'ailleurs, mon Ponyta là, comme je l'ai changé, il faut que je remette une capacité spéciale. Qu'est-ce qu'il y en a ? Je peux ensorceler ? Oh ouais. Un beau drive shiny. Bah écoute, on verra bien si Sponita m'apportera la même chance. Et c'est quand que je vais pouvoir vider en masse mes box là? Ah oui. Ah oui, j'adore la mode. Oui, vas-y. C'était vers le début. Bah ouais, mais attends, mais moi je peux pas là.
Sélectionner les Pokémon à relâcher. Ah si. Ah oui. Ah ah, des cadeaux, moi ça me plaît. Ah putain. Ah ouais. Merde, j'ai pas été chercher les missions là-bas. Petit ravi baron et puis... Ouais mais j'ai l'impression que plus t'avances dans l'histoire et plus les... Ah je peux lui donner des Pokéballs. Et plus tu peux avoir des nouveaux Pokémon qui s'installent dans les plaines ou quoi. Parce que moi par exemple je vois au tout début il y avait rien quand tu descends du village à gauche. Et là maintenant j'ai des Pichu, j'ai des Monsieur Mime, Junior pardon.
Donc je pense vraiment que il faut visiter régulièrement le monde et plus t'avances et plus il faut reprendre l'exploration parce que ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait ce système de un peu comme à la Pokémon Snap où quand tu refaisais les stages les Pokémon avaient confiance donc ils venaient. Donc en fonction du nombre d'étoiles, oui je pense que t'as différents Pokémon qui vont venir s'installer. C'est peut-être pour ça que j'ai plus le baron. Hein. Parce que j'ai avancé, donc maintenant j'ai d'autres trucs qui ont pris sa place, je sais pas. Eh hey. Bravo Jean-Charme. Franchement, je me suis fait chier. Hein. Je me suis fait chier comme pas possible. Mais faudra que tu checkes mes jeux. Alors, le problème, c'est qu'il y en a... Tu vois, ça, j'ai en disquette, je peux te les prêter. Lui, je l'ai pas en disquette, je peux pas te le prêter. Smash Bros, ça, c'est au boulot, je peux pas te le prêter. Moving Out, j'ai pas en disquette. Metroid, je l'ai en disquette, mais je sais pas si tu vas kiffer. Donkey Kong, j'ai, je peux te le prêter. Ça c'est téléchargé. Fire Emblem j'ai téléchargé. Ça j'ai la disquette mais c'est pour grave. Luigi Mansion est cool. Monster Hunter mais toi t'aimes pas. Mario Tennis je sais que ça te ferait kiffer. Ça je pourrais te le laisser. Ça je l'ai revendu. Pokémon Snap tu vois je l'ai téléchargé mais il était pas ouf. Hein. Y a Pokémon Unite hein, qui est gratos sur le store. J'ai épée que tu pourras tester. J'ai le Mario qui est incroyable, mais tu vas peut-être pas aimer, toi. J'ai Zelda qui est là. Les deux Zelda là, ils sont très très bien. Ça, c'est bien pour débuter pour la formule classique, mais ça, c'est littéralement le meilleur jeu du monde. Et voilà. Ah, enfin, ça, on en reparlera. Bon, est-ce qu'ils vont m'ouvrir une nouvelle zone, là ? Ce serait cool. Oui, je veux y aller. Je dois choper des hippopotames. Ah, après, moi, Pokémon Unite, j'avais fait un petit temps, quand même. Ah, mais ça me perturbe, là. Ah, c'est les trois connards, là. Oh, là, Nosferalto qui veut bouffer la gérante. Ça me perturbe. J'aimerais bien tous les remettre là en... En pâturage 1. Oh, dans quoi je me lance? Mais voilà, comme j'essaie de garder un d'espèce à chaque fois... Ah, je pourrais relâcher en fait les deux premiers. Pourquoi je les ai gardés? Ah, essayer de garder les premières pages dans un petit truc un peu cohérent.
Au cas où je vais changer mon équipe. Et les pages d'après qui se rempliront, ça sera du vidage complet, quoi. Quel enfer, pourquoi je fais ça? Ah, mon Pelita, faut que je le garde. Ah, je vais en garder un. Je voulais garder des... Mon Cisaiox niveau 15. Mon Pikachu. Merde, je sais plus combien est l'autre. Que quoi que niveau 15. Ah là. Merde. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Ah, un petit combat! On dit jamais non contre son Pikachu, là. Il a deux Pokémon, attention ça rigole plus. Attends mais l'attaque que j'ai apprise elle est où là?
Aïe. Aïe. Putain, il est chiant. Mais vas-y, mais nique ta mère. Pourquoi il attaque 50 fois, lui? Oh, fuck. Non, mais allez, nique-toi. Putain. Alors attends, mais faut que je fasse, faut que je check pour les attaques là. Ça se peut, il faut que je le mette moi-même les attaques, c'est ça? Ok. Il a soigné mes Pokémon. Merci. Alors attends. Ok, c'est à moi de choisir. Ouais, ok. Passeuse. Gestion des capacités, mais oui. Oh, trop bien en vrai ça quand même. Hein. Parce que là, on avait feu ensorcelé. Hein. C'est quand même con de pas l'avoir quoi. Est-ce qu'on met une hypnose à la... Coudoub, j'aime bien moi. Mais bon, ça fait perdre un tour. Je sais pas, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ah putain, mais oui quoi! Déjà ça, ah et lame d'air, hein. Lame d'air puissance 75 contre 60 pif. Atterrissage c'est bien parce que ça se soigne. Ah, je pense qu'il va être meilleur comme ça mon petit. Hein. Castorno. Vincent contre... Oui. On a l'hydrocure. On a le météore. Hein. Météore, on lui a pas mis. C'est bien en petite attaque pour faire des dégâts. Hydrocure, bah à la place de Vibraquo. Hein. On va lui mettre au 6. Hein. Luxio. Ah ouais, il serait peut-être temps qu'on ait eu cette attaque en fait. Lanceur prend une puissante posture. Non, ça on l'a mis. Éclat de roc, par contre, ça serait peut-être bien qu'on l'ait à la place du Vivadac. Ouais, il a pas eu beaucoup de capacités, Mustéphot. Voilà, mais putain.
Les marais, nouvelle zone, oui. Des nouveaux Pokémon s'offrent à nous. Ça, c'est beau, ça. Là-bas, ok. Moi, je vais pas y aller tout de suite. Hein. Je te cache pas que je vais pas y aller tout de suite. Ce sont des endroits dangereux où apparaissent des puissants Pokémon. Si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être plus des chances d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Ah. Ah, je l'ai pas. Ta gueule, je l'ai pas, ton Roselé. Personne d'autre n'a une mission. Encore des psychoquacs qui fait chier ça. Parasect aussi, merde. C'est où mes hippopotames là? Ah, du Rizalé. Alors, niveau combien? 18? Bon, il va falloir vite le capturer. Non, m'empoisonne pas. Yes. Je l'ai pas, hein. Merde, je me suis trompé. C'était peut-être un peu puissant.
Yeah. Ah, il est temps que j'ai mon Pokémon qui nage, hein, moi je te le dis. Je sais ça. Ah, mais t'es une chiasse. Non, t'es pas sérieux, j'ai plus de place dans ma salle. Merde, j'aurais dû lui faire un truc. Oh non, oh non. Allez, sale tarba. Fuck. Bon. Bien, je crois que je vais arrêter le live ici, moi.
Ok. Bon. Eh ben, c'était chouette. On voit pas le temps passer quand on joue à jeu. Je vais peut-être continuer un peu au lit pour m'endormir tranquillement en explorant. Mais je vais cut le live. Je vais cut le live ici en tout cas. C'était cool. C'était très 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 cool. Beaucoup. Hein. On s'y fait à ce Pokémon, on y accroche plutôt bien. C'est vraiment. Bah, c'est propre quoi en vrai. Ils ont bien révolutionné le truc, c'est bien. C'est bien amené, voilà, petite toupette. Et bah voilà quoi. Première session de Pokémon et pas la dernière, je pense. Je pense qu'on va y passer pas mal de temps. Pour sûr. Bien, allez, sur ce. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous, évidemment. Non, c'est faux. Et ben, à demain. Demain, je ne sais pas ce qu'on se fait. Si rien ne se prévoit, ça sera du The Witcher, je pense. Et sinon, il est peut-être question d'un Phasmophobia. Donc, on verra. On verra avec la team ce qu'ils en pensent. Allez, sur ce... Allez, ciao !